peut être bon. Compétence, j'en ai. Pourquoi j'en ai une? Mais chier, je viens de sauver le monde. Ah là là. Ils sont radins. De toute façon, il m'en a juste une qui coûte une. Donc, à partir de maintenant, il ne restera plus que des compétences qui valent 2 ou 3. Ça, ça vaut 2. 2. 2. Donc, ici, il m'en faut 6. Ici, il m'en faut 5. Et puis ici, ben, c'est fini. Hein. Je me suis bien concentré sur Tisseur de toile. Ouais, je me suis vraiment fait plaisir dans cette campagne. Hein. Je veux pas vous dire. J'ai eu le droit à mon lot de fail, mais énormément moins que beaucoup de youtubeurs que je connais. Beaucoup de youtubeurs français que je connaissais, là, ils étaient vraiment à chier. Ah, ils se faisaient toucher d'innombrables fois. Moi aussi, je dis pas que je me suis pas fait toucher, mais moins qu'eux autres. En comparaison, là, je me suis vraiment fait moins toucher. Je maîtrisais très bien l'esquive, les sauts d'araignée, les contre-attaques, les combos. Je maîtrisais tout. À un moment donné, je me sentais comme John Wick version Spidey. Le serial killer Spidey. Wow. Oh my god. Oh, ça se voit que j'ai pas l'habitude, hein. Ah, oh, j'ai des gros yeux. Des gros yeux métalliques. Hein. Bon, il fallait que je repère le fameux toit. Hein. C'est bien un coucher de soleil, je crois. Je pense, je suis pas sûr. C'est pas tout ça, mais il faudrait que je le trouve, ce toit, hein. Je vais me balader un peu. Là-bas, ça doit être ça. Où ça? Où ça? Ah oui, ici. Là-bas. Je suis pas loin. Youhou! Oh, tabarnak! Oh, excusez pour avoir crié, mais l'immeuble est en feu. Se comporte comme ceux de la fête d'Halloween. Je m'attendais pas à ça. Il doit les avoir corrompus. Oh, mais ça fait chier, hein. Ah ouais, ça, j'aurais dû faire ces quêtes-là pendant la campagne, hein. Parce que là, ça reprend les événements des démons et de Lee. Mais vu que j'ai maîtrisé Lee... Le feu se répand. Il faut agir vite. Bon, c'était le dernier. Le feu. Il faut éteindre le feu! Ben, les pompiers, comme d'habitude, hein. À la bourre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien et tout à coup, j'étais en colère. Je contrôlais plus rien. C'est terminé. Mais tu devrais éviter Internet pendant un moment. Lol. Rapport avec l'Internet. Je comprends pas. Oh, peu importe. Ah, allez, allons récupérer le sac à dos qui est pas très loin. Ah, et on va ramasser énormément d'items dans ce jeu. Et énormément de missions à faire. Et de criminels à mettre sous les verrous. Un vieux type de pantadans, de brosse à dents et tout. Ok. Mon vieux stock du secondaire, j'imagine. J'aime ça courir ces murs, ça me fait trop penser à Naruto. Ces caméras sont pas données? Si Felicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner? J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. Oh, c'est dommage. J'avais des idées cochonnes pour toi. Vidéo déconseillée aux plus jeunes. Oubliez ce que je viens de dire. Ah! Ah 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 ah!
Non, c'était prêt. C'était tout prêt. Ça clignote. Non, non, plutôt ça vibre. Ça vibrait en haut. Trouvé. Ah ah, Timinou. Black Cat est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. J'adore jouer avec les chats. Les bonnes chattes. Voilà, vous allez me traiter de pervers dans les commentaires, hein. S'il y en a. Mais bon, cette vidéo ne sortira qu'après les deux autres. Alors il faudra patienter. Car oui. En fait, cette vidéo-là devait être la quatrième, mais lors de ma troisième vidéo, entre guillemets. Ouais, lors de cette fameuse vidéo, il y a eu des problèmes. Ça disait erreur sur ma console. Eh oui, des petits bugs de comme ça de temps en temps, il y en a, hein. Peu importe le jeu. Souvent, je me dis que c'est la console, mais bon, rien à foutre. Dans ce temps-là, je me rattrape. Et je fais autre chose. Mais bon, trêve de blabla. Nous sommes dans Spider-Man. Nous sommes Spider-Man. Nous sommes un héros. Nous sommes un héros légendaire. Notre job est d'arrêter les criminels. 1043, des évadés de la prison détournent un bus avec ses passagers. Incident aux alentours de Park City. Un bus, hein? Intéressant. Je dois agir vite. Qui sait ce qu'ils feront quand ils se rendront? Les gars, on va discuter. Ah, c'est vrai, hein. Pour ceux qui sont pas au courant de la campagne ni rien, des criminels se sont échappés de leur prison durant l'histoire. Alors, notre but maintenant, c'est de tout te remettre sous le verrou avec plein de catanex. Hein. Comme si j'avais pas déjà assez de boulot avec ceux qui étaient en liberté. Ah! Ah, ils sont beaucoup, là. Ils sont beaucoup. Il m'énerve avec les fouets, lui. Je vous dis, ils ont plagiat sur Iron Man 2, le méchant avec les fouets. Oh, mais merde. Tu me gonfles. T'es lourd. Reste à terre. Dans les transports publics. Ça va faire pire. Ça va, mesdames, messieurs? Tout va bien? Oui. Je suis très content. Je suis le nouveau Spider-Man. Ah, thank you toi-même. Thank you, thank you. Merci à vous. Merci à vous d'être vivant. Qu'est-ce que tu fais avec ton gun, toi? T'as l'air suspect. T'as l'air vraiment suspect. C'est qui que tu vises? Ah, d'accord, je vois. Ben oui, ils sont KO, hein. Je les ai bien entoilés. Je les ai bien tibagués. Hein, quelqu'un qui parle ici? Ça vous dit pas, hein? C'est toi le boss. Ouais, c'est moi le boss, t'as tout compris, wesh. Allez! Ciao, bye, les amis. Partons vers d'autres crimes. Ah, ben. Est-ce que cette base, je l'avais... Non, je ne l'ai pas fait. Il faut la reconquérir. Jetons de base. Repère de fisc. Ah, un repère de construction, évidemment. Essayons d'y aller discretos. Yuri! Ce chantier me semble aussi réglo que les vendeurs à la sommette de Times Square. Je n'ai pas assez pour obtenir un mandat. Allez-y, mais je pourrais pas vous couvrir. Comme d'hab, quoi. Sans vouloir manquer de respect au boss. Mais on a continué à être payé. Comment tu peux demander ça?
et parler de respect. Ouais, ouais, on a tous des charges. Le boss nous a jamais laissé tomber. T'inquiète, mais ils ont saisi ses comptes. Ceux dont ils avaient connaissance, c'est que la partie visible de l'iceberg. En effet. Hé, hey, toi! Oups. Oh non. Oh, je pensais l'attirer, mais... Tant pis. On va botter des culs. Tu m'énerves avec ton sniper. Maintenez-le au sol, entourez-le. Oh, combat 4, génial. Oh. Ah non. Allez, approchez, je vous attends. J'ai un mauvais pressentiment. Chopez Spider-Man, le boss feu sa tête. Alors, j'attends moi. Où est-ce que tu fuis comme ça, toi? Hop là, whoop. Oh mais... Quoi? Ok, il y a un terroriste dans les environs. Ça, je ne permets pas. Hop là, hop. Vous êtes en retard. Vous en faites pas. J'ai encore plein de grosses mandales en réserve. Hop là, hop. Oh là! Toi à rester dans les environs avec ton bazooka, fais chier! Sérieux? Y'en a d'autres? Eh, moi j'ai pas autant d'amis! Youhou! Et on revient sur les lieux. Spider-Man, j'ai vérifié les bons livraisons. Et ce chantier reçoit des livraisons sociétés. M'énerve toi! Vous êtes vénère! Plus fort que la drogue, hein! Plus pour longtemps! C'est vraiment pas ton jour! Youp. Qu'est-ce que je fous moi? Je fais des galipettes mais je me bats pas. Oh là, c'est pas du jeu ça. Ah là là, oh, je me suis fait botter le cul là. Ça, ça va pas bien. Non mais, c'est pas des manières ça. Oh, génial, y'en a d'autres. Cognard. Fils qui est pas là, vous avez le droit de sécher. Tu vas la fermer définitivement. Ton taser, toi. Ça va, c'est fini. Y'en a plus. Ah ben. Ah. Viens là mon grand, viens là. Papa va te faire un câlin. Vite, vite.
Oh, 2 Tinaf, hein. Ah, 3 Tinaf, hein. Franchement, je vous laisse une petite chance, mais là, vous me forcez à employer les grands moyens pour rien. Ah, ils sont 4 finalement, d'accord. Encore des renforts? J'accepte uniquement si vous vous pointez dans une voiture de clown. Ça fait beaucoup de toiles du coup. Encore un. C'est pas bientôt fini. Mais vous êtes combien encore comme ça? Vous savez, vous allez me dire, t'oublies souvent le combo avec le triangle pour te ramener plus vite vers l'ennemi. Je sais, je le connais bien. C'est juste que... Ouais, c'est ça. Des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. Au sol là. Oh là là là. Toi, tu commences à me gonfler. Oh, c'est pas tout ça, mais j'en ai fini ici. Yori, y a un tas de criminels déjà neutralisés et un stock de drogue de haute qualité qui n'attendent que vous. Super, je ferai passer ça pour un tuyau anonyme. Un tuyau anonyme avec une voix très très grave comme ça et une face qu'on ne verra donc jamais. Parce qu'elle passe tout son temps à voler dans les airs. Un beau petit mouton ça. Et pigeons, oubliez pas de chier sur leur carcasse, hein. Même s'ils sont pas morts. Ah, que ça fait plaisir. La toile, on dirait qu'elle est collée sur un mur invisible vers le haut, mais vers le bas, c'est pas pire. Ah non, qu'elle est collée après son visage. Ouais. Ça, elle flotte juste dans les airs, comme ça, tranquille. Et que t'as l'air ficelé, c'est pas le fun. Dis-toi que c'est comme un sleeping bag, là, y'a rien là. S'il y a des Français qui écoutent dans la vidéo, c'est un sac de couchage. Pour ceux qui comprennent pas sleeping bag. Ils ont eu le temps de causer des dégâts inimaginables en se bagarrant avec Spider-Man. On espère qu'ils ne mettront plus jamais un pied dehors. Mais il faut qu'on se prépare si jamais ça arrive. Les humains normaux ne font pas le poids contre Rhino et ses congénères. Alors voilà ce que je propose. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Trois éliminations silencieuses. Écoutez, ah, là, okay. On devrait entraîner, équiper et déployer des rhinocéros policiers. Vous avez un rhino? Ah! Eh ben nous aussi. Je crois que ce mec a regardé un petit peu trop de Zootopie. Pour ceux qui connaissent, hein. Zootopie rhino qui sont dans la police. Boum! Bon, alors récupérer un petit sac à dos. Car oui, il faut faire de tout dans ce jeu. Non, non, pas dans ce jeu. Dans cette vie. Ah, j'ai tout le temps le réflexe de dire dans ce jeu. C'est pas un jeu, c'est la vraie vie. Nous sommes Spider-Man. Oh. Uncle Ben et... Ma tante May ou ma mère et mon père? Oh, peu importe. Ce sont des proches, on dirait. Ça c'est fait. Ça c'est un service de police avec du Ketanex, Ketanex. Lui a été fait. Et lui non. Ah, il faut bien les repérer, hein. Les bleus, c'est ceux qui ne sont pas faits. Et les immeubles blancs, c'est ceux qui sont faits.
Enfin, un petit laboratoire d'Harry Osborn. C'est celui qui reste dans cette zone-là. Puis après, nous irons faire d'autres quêtes annexes et des immeubles et ainsi de suite. Et faire un camp de prisonniers. D'accord. Ah, mais avant, nous avons un petit crime vite fait bien fait à régler ici. Je fais une ronde. Je vous tiens informé. Non, hors de question qu'on brutalise les policiers dans ma zone. Oh, sérieux? Quand des agents de sable. Ah là là. Ouf. C'est ça que je veux choisir. Ça, j'en ai marre. Ça aussi. Ouais, ça comptait pas sur moi pour faire de la pub à Sable International. Tout est encore plus ficelé. Oh, que j'aime ça. Ouh, c'est presque un trip à deux, là. Si je fais ça, ça fait quoi? Oh! Wesh! Ok, Jésus! Oh, je les ai catapultés dans le mur! Oh my god! Oh, le bug de la mort ultime, quoi. Oh my god! Hey, de 2019, les amis, hein. 2019. Si mes souvenirs sont bons. Come on! Il faut le faire. D'accord, d'accord. Assez déconné, franchement. À toutes les unités, un poste alimentaire d'urgence se fait attaquer par des pillards. Envoyez des agents dans le quartier d'affaires. Pour ceux qui s'intéressent de près au costume de Spider-Man, dans les nombreux choix que je vous ai montrés, dites-moi dans les commentaires quel costume vous préférez. Vous préférez que je porte plein de costumes différents? Ou le classique? Celui des anciens films. Vous me le direz. J'ai l'impression que c'est toujours le coucher de soleil dans cet univers. Faut le faire. On dirait que le soleil ne monte jamais et ne descend jamais. Sauf dans l'histoire. Je vais choisir le... Bah, le jour. Il y a vraiment besoin de faire un chargement. D'accord. Ah ben au moins il nous montre le changement de jour, c'est déjà ça. Voilà. Ah, passons à la mission. Qu'est-ce qu'il voulait faire Harry? C'est un peu... Bah, je vais vous laisser lire, hein. J'ai pas envie de vous faire chier avec ça à chaque fois. Vous mettrez la vidéo sur pause pour ceux qui n'auront pas eu le temps de lire. Mais qu'est-ce... Pourquoi il change de jeu? Pourquoi je suis au crépuscule? Et maintenant, je suis la nuit? What? Salut, Pete. D'accord. Cette station est un de mes projets personnels. Elle surveille le réseau mobile qui, d'après moi, est particulièrement vulnérable aux attaques terroristes. Tu peux regarder si tu trouves quelque chose de suspect. Pas d'activité terroriste en vue. What the hell? Il y a un bug du système qui provoque des interférences. Si tu ne ça va faire planter tout le réseau. Pour l'instant, ça n'affecte que les équipements les plus sensibles, comme les miens.
Je dois rester hors de la zone d'interférence pendant que je répare les antennes relais. Ça c'est fucké. Voilà, j'ai réglé mes lentilles pour qu'elles m'indiquent les zones de danger. Oh boy. Faut que je répare les antennes relais avant que les communications de la ville s'agissent. C'est un raz-de-marée d'internet. Et de réseau. La taille de la zone affectée varie. Je dois me tenir prêt à un changement soudain. Je croirais dans Ralph brise l'internet. Oh my god. Fait comme dans Spider-Man 1, je dois pas descendre en bas? Oh! Ok, ça fait mal. Ça fait du dégât. L'internet fait du dégât. Vous le voyez? Ah! Ça veut me toucher! Aïe aïe! Mais... Oh, mais putain! Oh, ça fait mal! Je m'attendais pas à ça, moi. Et de une. Et je dois en réparer encore trois pour résoudre le problème. Sérieux, c'est aussi simple que ça. J'ai pas de piratage à faire. Je pourrais utiliser ces hélicos pour me balancer. Dommage, mais... Ça dépend des réseaux mobiles de nos jours. Le montage affecterait les hôpitaux, la police, comme une coupure générale. Je dois faire vite. Bientôt, tout le système sera hors service. Oh non, pas besoin des hélicos, ça va bien. Oh, ok. Ah, c'est pas juste. Ouf. Oh là là. Je peux pas remonter ma vie avec ça. D'accord. Ça va bien, super bien. C'est bon. Et j'en suis qu'à la moitié. Ah bah au moins elle remonte à chaque fois, c'est bon. J'aimerais pouvoir résoudre le problème pour tout le monde, sauf ceux qui utilisent leur portable au cinéma. Ça devient de pire en pire. J'ai plus beaucoup de temps. Ah, à chaque fois. Ah là là. Je vais éviter de recommencer. Celle-ci est réparée. Il reste un peu plus de temps, mais je dois pas ralentir. Pas une seconde à perdre. Ça va vraiment être juste. Oh là là. Allez, 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 go, go, go. Monte en haut, monte, monte. Ouf. Voilà. Les New Yorkais peuvent à nouveau étaler leurs disputes conjugales dans le métro. Et les services d'urgence peuvent travailler. Ça compte aussi. Si le réseau avait planté, ça aurait coûté une fortune à Oscorp pour rétablir les communications. Loul. Ils vont devoir conserver cette station. Le projet d'Harry devrait être sauvé. Starfaller. Il y en a qui se demandent sûrement pourquoi j'utilise des fois des expressions françaises. C'est parce que j'ai beaucoup d'estime pour ce magnifique pays. Et ça fait des années que je joue avec plusieurs d'entre eux. Et j'en suis honoré. Donc je me suis mis à parler comme eux, à utiliser leurs mots, leurs expressions, tout en gardant ma propre langue. Ou plutôt ma propre version du français. Donc je parle français québécois et français de France. Même si je ne connais pas tout sur l'autre pays. Ah, c'est beau New York le jour. C'est aussi beau la nuit, mais je préfère le jour. Ça, c'est pas photographié encore. D'ici, je peux-tu le prendre? Non, je peux rien prendre d'ici. Ah, et pour ceux qui s'intéressent, je peux prendre des clichés en photo depuis les airs, hein. C'est cet immeuble-là? Marquez ce jour d'une pierre blanche, parce que je vais tenir des propos que vous pourriez entendre dans ma bouche. Spider-Man a assuré. Cela veut-il dire que je me suis trompé sur son compte? Que je lui présente mes excuses? Bien sûr que mais bon sang! Voyez-vous, c'est bien de source sûre qu'il écoute régulièrement notre émission. Et là, tout paraît logique. Il a entendu mes discours. Il les a intégrés. Il a appris des choses. Il s'est amélioré. C'est quoi que je dois photographier ? Il a fait ce qui était juste. Alors, Spider-Man, il n'y a pas de quoi. Par contre,
que je vais ménager la vie à partir de maintenant. Je la tiendrai à l'œil. Qu'elle reste sur le droit chemin, Spider-Man. Comme je sais que tu nous écoutes, imagine mon regard qui te suit partout où tu vas. Enfin, je veux dire, pas sous la douche, hein, ce serait glauque. Ni aux toiles. On lance une page. Ça ferait un beau hentai, ça. J. Jonah Jameson qui m'observe dans la douche, quoi. Lol. Non, mais c'est quoi la photo que je dois prendre? Sérieux? Quoi, c'est ça? Ben, point de grille. Ça m'énerve, qu'est-ce que je dois prendre en photo? Ça? Équipe sur place, ici le central. Comment ça évolue dans le quartier des affaires? Je comprends pas. Un plancher tout en bois avec... Ah, c'est ça! Saleté de chef à vomir à chaque... Bonne image! Me demandais, là. Oh non, un peu plus loin, le cadre. Ah. Encore un petit peu plus loin. Ah ben voilà. Non, celle-là. Magnifique. Je suis perfectionniste, vous le remarquerez. Ça c'est fait, ça c'est fait. Les défis, on peut faire autant qu'on veut. Ça apportera toujours des points. Je crois. Ah ben. Non, pas tout à fait. Les défis faits sont blancs. Ok, je vois. Ah ben, vous savez quoi? Allons photographier ça et faire le petit défi. Ça sera déjà fait. Les bouts, c'est important de les faire. Et c'est pas que j'aime pas le blanc, mais les yeux font pas très sérieux. Je sais que c'est pour le délire. J'adore être Spider-Man blanc, mais j'aime pas les yeux. J'aime vraiment pas les yeux. Et ça, c'est beau. Fucking beau, même. Mais c'est trop métallisé. C'est tellement nice quand c'est noir comme ça. Ça, il manque des jetons de défi. Ouais. Lui, peut-être bien que ce sera le suivant. Ou lui. Ah oh ben, à lui je peux. Oh, oh, j'ai trop envie. Oh my god. Oh, ouais, je crois bien que nous avons notre gagnant. Vous en dites quoi? Oh, peu importe, je fais ce que je veux. Mais je suis sûr que vous le trouvez nice aussi. C'est quoi son truc lui? Synchronise les nanoparticules du maillage pour libérer une puissante onde d'énergie négative. Nice! Ça aussi, ce sera très efficace. Je trouve ça nice les zones négatives, mais j'ai besoin de vie moi quand je me bats. Désolé. Oh, Spider-Man fantomatique. Oh, je suis transluisant. Ah, oh. Oh, c'est malade.
Les développeurs ont dû se régaler à faire chaque tenue. Mais surtout celle-là. Ah oui, j'adore. Des espèces de mémorial? Non mais sérieux, je veux la même. Oh oui, en noir et blanc, oui. C'est comme les effets spéciaux dans les mangas animes. À toutes les unités, agents pris pour cible par des snipers. Incident en cours à 6 portes, répondez. Waouh. Le souffle du diable a failli tuer ma sœur. Les médias peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi je sais que c'est toi qui l'as sauvé. Je vous avais jamais vu de si près. Trop cool. Ouais, trop cool. C'est toi le Kingpin maintenant? Ouais, c'est moi le Kingpin. Tchou, tchou. Ah, pourquoi j'ai gardé ça, moi? À toutes les unités, 10-43, coup de feu sur véhicule de police. Le signalement provient de 6 portes. Ouais. Je suis le roi des angles photogéniques. Photographique. Partons vers le défi. À toutes les unités, d'agents pour réprimer une émeute. À tous les agents disponibles. Un groupe de mercenaires est sur le point d'assassiner un diplomate. Dépêche-toi. Sérieux? C'est le fun, j'ai comme un informateur. Je dois arrêter ces mercenaires et vite. De la perfection. Quand même, la médaille d'argent, c'est bon. Gain point d'acier. Je veux dire gain d'acier, ça va être mieux. Tu retiens tes coups, dis-moi. Non, ça pas du tout. Les criminels. J'ai pas besoin de les tuer. Moi, je ne me retiens jamais. Tu verras. Ce type a des problèmes. Non. Les criminels, faut les tuer, c'est du bétail, c'est pas des humains. Et c'est exactement ce que je pense dans la vraie vie, en passant, pour ceux que ça intéresse. Les vrais humains, c'est ceux qui ne commettent aucun crime. Ben, dans le sens...
pour moi, un vrai crime, c'est la fraude, le viol, le meurtre et la torture. Et aussi l'attentat, ce qui revient pas mal au même. À partir du moment où un humain fait ce genre de délit, ce n'est plus un humain, c'est du bétail qu'il faut mettre au mur et exécuter aux pompes. Oh, je vois déjà les petits malins qui vont me dire « Oh, t'es un grand malade, tu sais ça ?» Ouais, j'en ai rien à foutre. Bon, revenons à nos moutons. Nous sommes Spider-Man, nous ne tuons pas de personne dans cet univers. Nous sommes un gentil. Nous arrêtons gentiment. Bah, jusqu'à un certain point. On botte quand même le cul. On tabasse les criminels de façon stylée. Je peux pas les laisser s'échapper. Alors y aller à pied. Envoyez-le balader. Les gentils ont encore gagné. Ouais. Les gentils gagnent toujours. Voyons, est-ce que c'était fait ça? Oui, c'était fait. Voyons, ça c'est fait, ça c'est fait. Sac à dos, il faut faire. Après ça, les quêtes annexes ici, la base, défi et ainsi de suite. On va faire une zone à la fois, parce qu'on là, on a toute une ville à reconquérir. Ouais. Une méchante grosse ville. Ouais, quand je vous dis qu'on a plus de 3 semaines de boulot, on a plus de 3 semaines de boulot. En même temps, ça dépend qu'est-ce que je fais par jour. Si je fais au moins 2 zones par jour, peut-être même 3. Oh! 4-5 jours. Mais si je fais ça de manière moyenne, une zone par jour, en effet, une bonne semaine. Une ou deux semaines. Parce que j'ai une vie hein, derrière tout ça, hein. Je suis occupé de temps en temps. Je fais des travaux. Je coupe des trucs. Pas des criminels, hein. Je vous rassure. Non, c'est que ma mère, elle est couturière. Elle fait des masques pendant le confinement et cette grosse crise. Et moi, je l'aide en coupant des accessoires. Tels que les élastiques ou les bouts de fer qu'on se sert pour placer le masque parfaitement sur le visage. Il y en a un autre qui taille le tissu, et ma mère, elle coud. Une belle petite entreprise, hein, qu'on s'est lancée. On reçoit des commandes par dizaines. Cette musique me fait vraiment penser à celle des Avengers. Ils se sont inspirés de ces jeux, de ces films. 5 vols et braquages par jour, c'est bon pour la santé. Très bonne inspiration. Même s'ils sont pas montrés très utiles. Parce que oui, dernièrement j'ai visité l'extérieur de la tour Avengers. Je m'attendais pas à la voir, mais oui, elle était bien là. La tour qu'on voit dans pas mal tous les films Avengers. C'est écœurant, j'étais aux anges. J'aurais été encore plus aux anges si j'avais pu rentrer par hasard et voler du stock d'Avengers ou juste visiter. Ça aurait été vachement stylé. Mais non. Peut-être dans une prochaine vie ou une prochaine DLC, peu importe. J'espère qu'il y en aura. Que j'aurai possibilité d'entrer.
C'est à nous maintenant. Oh shit! Ah ok, cocktail Molotov, hein. Ah ok, il y a un monsieur fouet. Ok, faut que je me débarrasse de toi en premier, tu m'énerves. Oh, t'es lourd. Oh là là. Ah là là. On bouscule mon cul. Personne ne va bousculer personne. Oh mais là. Vous êtes lourd à la fin. Toi tu fais gère tes fouets n'importe comment et ça m'énerve. Reste au sol. Si ces prisonniers étaient plus malins, ça m'inquiéterait. Bon, je suis un peu inquiet quand même. Oh, sweet. You rock. Hmm? Mais... où est ce sac à dos? Ah. Oh, les premiers cellulaires. Ah non, ah non, même pas, c'est une calculatrice. Ah ben. D'accord. Original. Alors, toute mon histoire d'adolescence est dispersée à travers la ville. Mais pourquoi avoir fait ça? Ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme mystère dans cette vie, alors je me suis fait ma propre version de l'homme mystère. J'ai mis des indices partout. D'accord. Voir de tenue près. Ah, ils étaient un bon petit groupe, hein. Mais c'est surtout le mec au fouet qui me fait chier. Bon, c'est pas tout ça, les amis. Mais nous devrons bientôt nous quitter pour d'autres aventures dans le futur. Car je ne peux pas faire 10 000 ans de vidéos non plus. Vous ne seriez pas assez patient. Alors je vous suggère un dernier affrontement. C'est-à-dire la fameuse base camp de prisonniers. Pour la suite, nous nous quitterons après. Mais ne vous en faites pas. Nous nous retrouverons. Oh oui, j'en ai pas fini avec vous. Et vous n'en avez pas fini avec moi. Car je suis Spider-Man. Je vous surveille. Du haut des toits. Quand vous faites vos devoirs, je vous ai à l'œil. Quand vous êtes avec votre copine, je vous ai à l'œil. Et quand vous êtes aux chiottes, je vous fous la paix. Si on faisait ça discrètement. J'ai croisé des détenus drakkers. Ils ont construit un fort. Et je vous garantis que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avec mon canapé et mes coussins. Une patrouille vient d'appeler. Ils ont essayé d'intervenir. Mais ils ont vite été submergés et on n'a pas assez d'hommes à envoyer en renfort. Heureusement, Spider-Man est à votre service. La classe, hein. C'est moi le chevalier blanc. Enfin, rouge. Je vais le commissariat comme ma bouche. Midi à la relève et tout le monde.
sortira pas. Tu ne m'auras pas. Non, tu ne m'auras pas. Il faut régénérer un petit peu de vie. Royalement. Oh! Mais c'est qu'ils veulent me foutre en rogne? Ok, j'oublie vraiment d'esquiver ce genre de conneries. Non, c'est toi qui vas le sentir. Tu vas te sentir collé. D'où vient ce bazooka? Ah, c'est toi! Salut! Reste au sol! Reste à terre! Tant mieux! J'avais pas de sommeil en retard! T'es sérieux là? Bah, il est où? D'accord. Moi, c'est pas tout ça. Mais j'ai pas que ça à foutre, hein. Moi, j'ai une vidéo à finir. Alors, vous allez me faire un plaisir de foutre le camp. Encore des détenus. Je vais finir par me sentir mal à l'aise. Tiens. Le seul à pas porter d'orange. Vous voyez, il veut jamais tuer les prisonniers, hein. Spider-Man, j'ai parlé à des gens qui se plaignent que des évadés ont essayé de pénétrer dans leurs immeubles. Ouais, pareil. Essaie de s'établir quelque part. Ouais, ben ça marchera pas. Il a appréhendé dans les rues et sans otage. En charge. À plus tard. Hop là, hop. Toi, reste collé. Tchou, tchou, tchou. Oula, c'est pas trop ce que je voulais faire, mais d'accord. Stylé. Oula! Qu'est-ce que... Et voilà! Hop là! Youhou! Essayez de m'attraper, nana! Bon, j'ai dit que j'étais pressé, alors finissons-en, hein! Ah là là.
Ouya! Encore un bazooka. Comment ça me... deux bazookas en plus. Oh my god. Oula! Fais chier. Risque de vous coûter un avertissement. Même 10 avertissements. Ils sont dans bien nombreux ici. Ils sont vraiment établis. C'est un vrai nid de rapace. Là, ça suffit. J'en ai marre. Ils sont combien à la fin? J'en ai assez. C'est pas bientôt fini. Mais j'ai un rencard avec Mary Jane, moi. Enfin, j'espère. Ah, moi aussi, je peux t'aider. Connard. Oh là là. C'était suant. Gente dame, le siège de la forteresse de Manhattan est terminé. Merci. Je vais envoyer des bus pour les ramener en prison. Et ne m'appelez plus jamais gente dame. Ok, Yuri, pas de problème. Bon, ben c'était tout pour cette aventure, les amis. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles péripéties. Et j'espère que je serai un peu moins à chier lors de la prochaine aventure. Même si j'ai l'impression de me répéter. Ouais. C'était tout pour ce bordel, les potes. J'espère que vous avez aimé. Likez, commentez, partagez, car je suis Spider-Man. Et ceci est mon histoire.